Est-ce que vois, parce que moi j'ai pas mes lunettes, je vois pas mes chiffres. 52, 53, 54. Ah bah c'est bon, là, là ça défile. Tu sais compter, c'est bien. Mais vous savez compter. En plus, mais voyez, alors, on atteint la perfection. Dites-moi tout, alors, alors, alors. Alors, on a organisé, il y a un peu plus d'un mois, un concours photo. D'accord, c'est drôle, c'est ça. Pour présenter, grâce à un selfie. Ouais. Notre héros à nous, notre animal. D'accord. Mais alors, est-ce que c'est un chat de la SPL? Non, c'est comment un chat. Mais c'est mais pas justement, un chat de campagne. Le but de notre concours aussi, c'était de récompenser bah, pas forcément que des gens qui ont adopté chez nous. D'accord. Et puis bah, de nous faire connaître auprès de personnes qui ne nous connaissent pas. J'étais venue déposer des croquettes. J'avais fait une collecte de croquettes à Rouen. Et vous avez été aussi bien accueillie que là. L'année dernière, un peu moins. Vous devez m'envoyer un petit courrier de remerciement ah bah oui. Et je ne l'avais jamais eu. Donc... Ah d'accord. Mais parce que moi, j'ai eu le même problème, vous voyez. Et là, et je les vois, elles sont gentilles. Non, et là, c'est des anges. Hein, c'est pas pareil. Hein. Alors, même les agents, hein, j'ai pas marqué. Alors. Elle est terrible. Vous suivez-moi avec le. Nos gagnants sont Cookie. D'accord. Papy, donc, qui est un chien qui a une quinzaine d'années, qui d'accord. arrive au refuge, ouais. Que l'on a promené régulièrement en tant que bénévole. Et donc, Cécile sa a adopté Papy. D'accord. Et voilà le cas d'un animal qui est parmi d'autres, qui sont vieux, qui restent au refuge. D'accord. Le temps qu'ils soient adoptés.